Pour recadrer une image et atteindre une proportion précise, par exemple 16/9, vous allez devoir de nouveau utiliser l'outil ici de recadrage. Et ici, vous allez venir sélectionner rapport largeur-hauteur. Attention de bien prendre le rapport largeur-hauteur et pas la deuxième option que nous verrons après. Ici, vous allez pouvoir avoir un rapport largeur-hauteur. Commencez par cliquer sur effacer pour effacer l'ancien rapport hauteur-largeur que vous pourriez avoir. Et ensuite, sélectionnez par exemple 16/9. Le cadre de recadrage est passé en 16/9 et maintenant vous êtes contraint sur un format, sur une proportion précise de 16/9. Si par exemple vous venez cadrer ici, faites Enter pour valider, vous allez voir que votre taille en pixels ici va avoir changé. Et cette proportion sera bien une proportion de 16/9. Maintenant, si en plus d'une proportion précise, 16/9, vous voulez atteindre une taille en pixels précise, par exemple 160 pixels par 90 pixels, alors là, vous allez devoir utiliser l'option numéro 2, donc recadrage. Et ici, vous venez sélectionner largeur, hauteur, résolution. Cliquez de nouveau sur effacer pour effacer les anciennes données qu'il pourrait y avoir. Et là, indiquez 160 pixels par 90 pixels. Il n'y a pas besoin de rentrer une taille ici pour la résolution. Faites Enter. Et cette fois, l'image a été recadrée en 16/9, 160 pixels par 90 pixels précisément. Donc là, vous avez pu atteindre une taille en pixels en plus d'une proportion.